mais feuilletant son agenda, grattant son large nez en truffe, apparaît un Torquemada. Moitié Satan, moitié Tartuffe. Oh, toi, malheur de mes neveux, qui fait, même sur la Vulgate, plus de clarté que je n'en veux, démon rusé, bête écarlate, dit-il. Esprit de l'imprévu, qu'il faudrait traîner sur l'heure des clés, puisque sans toi, l'on n'aurait vu ni les reptiles, ni les plaies. Toi qui, jusque chez les lapons, cause, faisant le mauvais pire, aux magiciennes réponds, qu'as-tu fait du premier empire ? Hélas, dit la presse, en rêvant, devant la bizarre figure, on ne m'écoute pas souvent. Ce n'est pas moi, je vous le jure, qui l'envoie vers les déserts où brille la glace épaissie, succombé sous les noirs hivers dans les neiges de la Russie. Parlons du royaume d'Élysse, fit le juge, non sans adresse. Dis, qu'as-tu fait de Charles X ? Hélas, brave homme, dit la presse, ce pauvre vieillard qui fut roi enterra de tristes semences. Mais, crois-le bien, ce n'est pas moi qui lui dictais ses ordonnances.